Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Princess Peach Showtime. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer notre aventure, nos niveaux. On va me changer d'étage. Est-ce qu'il faut qu'on aille au-dessus ou au rez-de-chaussée? Je ne sais pas. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt par là. Hein. L'infiltration parfaite. Donc, la Peach voleuse. On a ici le retour de l'épéiste. On a patineuse. La fresque disparue détective. Ok. Et ben, on va faire détective, tiens. Allez, on va voir ce que ça donne. La fresque disparue. Niveau gameplay, je sais pas trop ce que ça peut faire. Peach time, vas-y, montre-nous un petit peu. Tout le monde a l'air inquiet par ici. Pourtant, la ville est sûre grâce à son détective qui résout toujours les mystères. En ce moment, on ne se sent plus en sécurité. Comment réagirais-je en cas d'agression? Ben, je ne sais pas. Mais déjà, on va remettre du bois. Laissez-moi! Oh non, je peux pas prendre les pièces. File-nous tout ton fric. On est des méchants. Mes pièces, ouf. Et ne te mêle pas de ça. Mais si, bien sûr. Ouais, il ne faut que partir. Hein. Mais où sont les policiers? Ok. Je t'ai vu, tu as été fantastique. Ah, bien ici, bien vu. Cette fresque antique m'intrigue. Le musée est fermé aujourd'hui. Mais c'est urgent, il y a une menace. L'enquête ne peut être menée sans moi. T'es l'assistant du détective, rien de plus. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, petit. Ils ne veulent rien entendre. A temporairement fermé le musée. Je n'y arriverai pas tout seul. Touloulou, t'inquiète pas. Allons, il me faut juste un nouveau plan. Est-ce que tu peux me suivre? Bien sûr. Des thunes, merci. Entre vite. Elle peut danser. Tata, j'avais pas loupé un truc là. Bon, ça va. Allez, nous entrons. Le détective est absent en ce moment. Je voudrais aider, mais pour ça, il faut déjà résoudre l'énigme de ce bureau. Soleil ou pas? Non. Ah ben c'est marqué, là, je suis con. La gueule de l'énigme. Ok. Tintin. Wouah! Ça se reset même pas quand tu fais le mauvais. Moi, tu as résolu ça avec une telle facilité. Et bien voilà, Peach détective. Ça, j'aime bien, ça fait l'envers du décor. Quand on tourne la scène comme ça. Salut. Et Peach détective, donc. Mets de la lumière. Bon, rien d'intéressant, quoi. Ah.
Il est parti. Mais où est passé l'assistant? Il y a une note par terre, voyons un peu. C'est un détective, lit cette note, qu'il vient de trouver, c'est de l'assistant. Oh ben c'est ma foi difficile. Ces coussins sont moelleux. Éclat d'intuition. Ok. Très difficile. Ça sert de tutoriel, on va dire. Incroyable, rien ne t'échappe, tu es une grande détective. Tu peux déceler la vérité grâce aux éclats d'intuition. Bon, je crois qu'on peut y aller, un mystère nous attend. Tadadam. Là, y'a rien. Tadadam. Oh, une détective, tu peux entrer. D'accord. Ah, une détective, enfin. Eh bien, tu tombes à pic, le directeur t'attend dans la salle adjacente. Directeur t'attend. Ce mollusque fossilisé a été découvert dans les environs, jadis submergé par les eaux. Bon, il est où le directeur? Je suis vraiment les momies, blablabla. J'espère qu'ils vont bientôt ouvrir la salle, les momies fascinent. Je suis qu'un simple employé, si tu as des informations, elles s'adressent plutôt au directeur. Le bas-relief d'une gemme d'étincelle, preuve qu'autrefois des gens lui accordaient la valeur. Ok. Là, il y a quoi? Une gravure contenant un texte ancien qui a probablement notre plus ancienne race écrite. Ta-da-da, il y a quoi là? Non mais dégage-toi. Seuls des ninjas pourraient comprendre le caractère inscrit sur ce parchemin. Ah bah ça tombe bien. On est ninja. Tout va bien par ici. Je surveille ce coin de très près, rien de personne n'échappera à ma vigilance. Allez allons là, rien d'anormal ici non plus, le détective n'est toujours pas là. Non, enfin voilà une détective. Nous avons trouvé une note menaçante sur la fresque théamienne. On peut y lire, nous allons vous prendre cette fresque théamienne. Ça c'est menaçant. S'il arrivait quoi que ce soit à notre précieuse fresque. Mais pourquoi le courant est coupé tout à coup? Il n'y a plus de fresque. Non! La fresque, elle a disparu. Je t'en prie, trouve ces malfaiteurs. Pimpalimpin. Où ces malfaiteurs ont bien-ils pu aller? Quelque chose est inscrit sur le mur qui expose la fresque. Nous avons pris votre chère fresque, signée les cambrioleurs maléfiques. Bon, je n'en reviens pas. La fresque a disparu au même moment où le courant s'est éteint, ça me rend fou. C'est terrifiant. Il y a quelque chose par là. Il faisait si noir. Le courant a donc été coupé. Ce n'est pas rien à cette coupure de courant. J'espère que les momies sont intactes. Ah ah. Ça s'est cassé cet endroit. Une gravure contenant un texte ancien. Tiens, on dirait qu'on peut le déplacer. Éclat d'intuition. Ta da 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 da. Qu'est-ce donc? C'est un conduit d'aération, les voleurs sont peut-être passés par là. Allons à l'intérieur. On va voir la suite d'abord. Ta-da-da-da, ta-da. C'est terrifiant. J'ai pas de noir, je suis resté accroché à cette agence jusqu'à ce que le courant revienne. Ça aurait le schéma des ruines, mais il est trop abîmé pour qu'on en soit sûr. Éclat d'intuition, apparemment. Ta-da-da-da-da-da. On a dû se tromper. Ah non, merde, d'accord. Fais attention, puis tout éclat d'intuition qui te mène à une erreur, tu feras perdre un cœur. Ah ok, mais j'ai pas compris, moi. Je savais pas qu'on pouvait faire des éclats d'intuition n'importe où. Je veux dire que cet employé s'était accroché à moi et que je ne pouvais plus bouger. D'accord, ok, ok. Je peux faire des éclats d'intuition dans le vent. Très bien, par contre, j'ai loupé un truc. Je veux rentrer chez moi. Le bas-relief. Est-ce que ça me donnerait pas un truc, ça? Est-ce que ça me donnerait pas une pierre?
Non, je crois que ça va me casser, hein. Non, ok. Bah dommage. Ça y était pas, ça, si. Cette dalle de pierre est en cours de restauration. Non. Non, non, ok, mais je pensais que je pouvais la prendre. Attends-moi. Mais j'ai loupé une étoile, du coup. Tant pis. Bah, il y a des traces de pas. Oh! Bah, ils ont pas volé que ça, du coup. Cette vitrine est cassée. On pouvait y voir des objets appelés masques de transformation. Il est écrit ici qu'ils permettent à leurs porteurs de revêtir toute autre forme. Ah ah, va falloir trouver qui c'est, donc. Mais c'est évident, les voleurs se sont sûrement transformés grâce à ces masques. Quoi dans le coffre? Un coffre, et si on l'ouvrait? Des thunes. Ta-da-da-da. Une clé, mais on s'en fout apparemment. Non. Oh, une clé en forme de pique, elle pourra peut-être s'en servir. Nos voleurs sont forcément quelque part par ici. Alors qui êtes-vous? Tâchons de trouver tous les indices afin de démasquer les voleurs. Ok, il y a une clé ici également, mon popcorn. Ah, mais dégage! Ah ah, une clé en forme de carreau. Sur le flair de la vérité, il démasque les menteurs et leur fait subir un sort terrible. Un appareil photo. J'ai vendu des appareils photo et l'un d'eux a disparu. Il était pourtant juste là avant qu'on coupe le courant. J'ai vu personne de suspect, moi. Ouais, mais toi, t'as un appareil photo. C'est bizarre. Quelqu'un a profité de la coupure de courant pour me voler mon popcorn. Quel culot. Ah ah, du popcorn. Du popcorn, qu'est-ce que quelqu'un l'aurait fait tomber? Et des lunettes. Personne n'a franchi ces portes, que ce soit pour entrer ou pour sortir. Trois statues, pourquoi est-ce une nouvelle statue? Il n'y en avait que deux avant. Ah. Oh bah c'est... Tiens. Salut toi. Statue de deux grands maîtres, mais de deux grands metteurs en scène. Je dis que c'est celle-là parce qu'il y avait les pas qui arrivaient dessus. Non? Bah attendez. C'est une blague. Popcorn, est-ce que quelqu'un l'aurait fait tomber? Bah oui, mais on l'a déjà vu ça. Bah du coup. Celle-là, a priori. Hein. Pourquoi ce serait celle du milieu? Alors, il n'y a pas le popcorn justement, c'est celui qui a pas le popcorn? Moi, ça me paraissait bizarre que celui qui avait les lunettes. Ok, c'est celui du milieu. Bon, bizarre. Ah, bon travail, il y avait un paquet de popcorn de trop. Il reste encore un voleur, je suis sûr que tu vas le trouver. J'étais censé peut-être voir les deux statues de base. Ta-da-da. Mon indice était bon, je le savais. Ah, c'est toi qui nous disais, ok. Maman, j'ai rien vu d'inhabituel ici. T'es louche, toi. La chair de poule. Les bruits bizarres proviennent de cette stalle. Est-ce qu'il y aura un fantôme? Oh, tu bouges, toi. Bizarre, bizarre. Toi, on t'a volé l'appareil photo. Un policier se trouvait dans cette salle avant la coupure de courant. Je me demande où il est. Ouais, donc il a été emprisonné, hein. Un coffre, et si on l'ouvrait? Alors, cette série, je suis sûr que notre clé en forme de carreau irait dedans. Soulagé. Merci, merci. Merci de m'avoir sorti de là. Je n'en ai pas l'air, mais c'est sûr que je suis policier. Quelqu'un m'a attaqué puis volé mon uniforme. Toi, par exemple. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Tu me sembles suspect. Mais enfin, je suis innocent. Et merde. Ok, ok. Il y avait un policier dans la salle.
Mais il est où ce con? On va faire la pause déjà. On se casse. Un policier dans la salle. Est-ce qu'il aurait pris l'appareil photo? Hop. Des thunes. Oh, rien d'autre. Bon, on se barre. Hein. Juste des pièces. Intéressant. C'était pas un policier. C'est un oiseau sculpté dans les bois. Jadis, il servait à diverses cérémonies. Ok. C'est toi avec l'appareil photo. Tout est normal. Plus personne ne suspecte, moi. Moi, je t'ai vu suspect puisque t'as un appareil photo volé. Ok, ok. Il est trahi par ses vêtements et son appareil photo. Bon travail. Nous avons trouvé. Allons parler au directeur. Bon. Bah, j'ai loupé des étoiles, hein, comme d'hab. Salle du milieu. Ok, j'en ai loupé qu'une du coup, finalement, potentiellement. Parce que le directeur va nous en donner une autre. Crachez le morceau. Dites-nous où est la fresque. La fresque? Quelle fresque? Hé, tu crois qu'on va te dire qu'on l'a planqué quelque part dans le musée? Ah, et donc encore dans le musée? Je veux dire que je sais même pas de quelle fresque tu parles. Ah, tu arrives juste au bon moment. Grâce à toi, nous avons les malfaiteurs, mais nous ignorons encore où ils ont caché la fresque. Tu dois la retrouver. Je veux pas qu'ils retrouvent notre fresque. Qu'est-ce que tu me disais à propos des voleurs, toi? Les voleurs ont dessiné si rapidement sur le mur. Est-ce que ça fait d'eux des artistes? Quelque chose est écrit sur le mur. Ouais, ça se trouve, il y a encore... je vois que... Ils ont mis un rideau. Éclair d'intuition. Allez. Tada! Elle était encore. Mais la fresque était restée au même endroit, elle n'a donc jamais été volée. Tu viens de rendre un énorme service au musée, je te suis très reconnaissant. Oh ben non, moi qui pensais qu'il ne s'en rendrait jamais compte. On a réussi. C'était super de devoir résoudre ce mystère à la nouvelle détective hors pair aînée. Et l'enquête est enfin terminée. Bon, j'en ai loupé qu'une. Pas si mal. On a fait pire. On n'a pas eu le ruban non plus. Bon. Tant pis. À suivre, évidemment. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous arrêter là pour cet épisode de Princess Peach Showtime. Je pense que je ferai des épisodes de la durée d'un niveau. Voilà. Comme ça, ça me permettra d'en faire deux par semaine sans trop prendre de temps sur les séries actuelles. Et sans non plus me lasser potentiellement du jeu qui, on va pas se mentir, n'a pas l'air non plus incroyabilissime. Ça m'a l'air ok quoi. Ça m'a l'air passable. Bah, non, passable, c'est peut-être un peu trop péjoratif. Ou en tout cas, trop péjorativement connoté. Mais ça m'a l'air d'être assez simpliste. Et on va dire franchement pour les plus jeunes, en termes de gameplay, en termes d'intérêt, c'est pas si mal. Hein. Après, c'est pas nul. Hein. Donc franchement, je vais continuer. Mais ça va pas me... Comment dire? Je vais pas faire ça pendant 3 heures d'affilée, quoi. Parce que je vais vite me faire chier. Voyez. Alors que là, de temps en temps, je pense que 2 petits niveaux par semaine, ça me paraît être un bon rythme. Ça va nous tenir suffisamment de temps, je pense, pour arriver jusqu'aux prochaines sorties de chez Nintendo, sans pour autant nous
nous prendre trop de temps sur la programmation actuelle. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Princess Peach Showtime. On se retrouve plus tard dans la semaine pour un nouveau niveau. Ciao, ciao tout le monde.